Eh bien, salut à tous et salut à toutes, nous voici pour la suite de ce Wofu. Donc, la dernière fois, je vous avais laissé ici, hein, ce niveau. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai un peu plus de vie. Bon, c'est parce qu'en fait, j'ai dû recommencer une partie. Et... notre bon Simba. Voilà. Donc oui, donc je disais... J'ai dû recommencer une partie à cause, que j'ai un peu merdé, hein. Et puis voilà. Parce qu'en fait, j'avais essayé... voulu quitter le jeu, mais... parce qu'il était l'heure d'aller manger, tout simplement. Et en fait, gros problème... c'est que j'ai oublié de faire une sauvegarde. Et j'ai quitté le jeu comme un gros boulet. Donc oui, vous pouvez m'appeler boulet. Mais bon, là, j'ai refait la partie, ça m'a pas pris longtemps. Hein. Moins d'une... une petite demi-heure, tranquille. Faut dire, le jeu, il est pas très dur non plus. Surtout quand... on a l'entraînement. Et donc, maintenant, on est reparti, hein. Bon, y a rien ici. Donc, nous revoici pour la suite, hein, de ce petit roi lion, hein. C'est vraiment sympa. Moi, j'aime... Même si j'aime bien ce jeu, je dois dire que je suis quand même... je préfère quand même Aladdin. Oui. Je préfère Aladdin, même si bon. Les jeux étaient aussi bons que ce soit sur l'un ou sur l'autre. Hein, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont très bons tous les deux. Mais bon, c'est. J'ai toujours ma petite préférence pour le Roi Lion. Et non, ça va, là, il faut pas se grouiller. Ouais, j'ai ma petite préférence pour le Roi Lion. Pour Aladdin, pas pour le Roi Lion. Le Roi Lion, c'est ce que je suis en train de jouer actuellement. Et donc là, je sais pas pourquoi je passe en haut, mais c'est sympa. C'est bien, on sait où il faut aller. Donc ici, pour récupérer le continue. Voilà, parce que la dernière fois, en fait, quand j'ai enregistré... Je l'avais loupé, quand je jouais. Là, ça c'est du rugissement de lion. C'était pas le petit rugissement qu'on avait au début du jeu. Allez, paf dans la gueule. Ouais, je fais mon sadique là parce que ce jeu m'a légèrement stressé. Allez, viens, que je te tatane, là. Voilà, à la Chuck Norris. Alors, ici, rien, je peux rien faire, pas de secret. Là, on speed. Voilà, ouf. Alors, ensuite, on continue. Je t'avais pas vu, toi. Tiens, mange-toi ça. Tiens, voilà, comme ça on récupère un peu de vie en même temps. Vaut mieux. Ouais, donc je disais, oui, ce jeu me fait taper une légère crise à chaque entraînement que je fais. Parce que le niveau d'après, j'en chie comme pas possible. C'est vraiment un niveau, de sadique. Les concepteurs ont été vraiment sadiques. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai même pas parlé du concepteur du jeu. Et en fait, aussi surprenant que ça puisse paraître, c'est Westwood qui est à l'origine de ce jeu. Donc là, hop. Oui, c'est Westwood qui est à l'origine de ce jeu et franchement, c'est surprenant. Parce que, Westwood, on les connaît pourquoi ? Pour les alertes rouges, les Command Conquer et alertes rouges, quoi, principalement. Donc c'est pour ça que c'est assez... voir qu'ils ont fait ça aussi, c'est... Ah oui, il faut pas rester trop près, sinon, c'est... En fait, ce que j'ai un peu une petite critique à faire à ce jeu, c'est que les niveaux sont pas...
comment dire, les niveaux sont pas, il y a pas de, ah oh, je sais même pas comment le dire. Bon, c'est pas grave, on continue. You must take your place in the circle of life. Donc ici, oh ici, voilà. Ah merde. Voilà. C'est ce niveau dont je vous parlais. Le niveau d'horreur. Le niveau qui m'a fait perdre au moins 5 vies et au moins 5 continues. Ah oui, non mais. C'est pour ça que je vous préviens tout de suite. Si jamais je meurs trop souvent, bah je ferai une coupure après ma première mort. Et je vous reprendrai uniquement les chauves-souris, pas elle. Oui. Donc je disais, je vous tiens. Oui, donc je disais en fait j'essayerai de couper la vidéo si jamais ça devait je devais mourir trop souvent. Mais d'où il sort celui-là? Quoi? Bon. Ok, donc ça commence bien. Première mort. Oui, donc je disais, si jamais je devais mourir trop souvent, ben je vous... Je couperai, hein, donc désolé, hein, déjà. Je m'excuse d'avance, hein, si... pour les nombreuses coupures que ça va faire, mais bon, j'ai pas trop envie de vous montrer un peu n'importe quoi, hein. Enfin, c'est surtout que j'ai pas envie de vous montrer 50 fois la même chose, quoi. Hein. Je pense que... Mais vous me comprenez, hein. Oh punaise. Si je commence à jouer comme une merde aussi, ça va pas aller. Allez. Oh. Premier endroit bien casse-pied. Voilà, passé. Bon. Non, mais... Non, je le frappe. Allez, c'est reparti. Oh. Allez, on se concentre un peu là, le petit, mon petit Revan. Utilisons le côté obscur de la force pour gagner. Oui, non, je fais des cris bizarres quand je suis énervé. Tiens. Ah oui, non, mais là, je vais vraiment m'énerver sévère, quoi. Si je joue comme une quiche aussi, ça va pas aller. Une vraie Wish Lorraine là. Voilà. Ouh. Oui. Ah, ici, c'est vraiment la misère. Allez. Alors ici vous avez différentes techniques, genre vous sautez, vous tapez, en utilisant le bug du... les bugs graphiques. Oui. Voilà. Bien attendre. Mais dégage. Ah. Oui. Bon, bah c'est bon. Oh. Il n'y aura pas 50 000 morts comme la dernière fois, parce que la dernière fois, j'en chiais pour arriver ici, quoi. Rien qu'ici. Après, sans compter un boss de fou furieux. Oui. C'est bon. Si je fais pas la de merde, voilà. Donc, désolé, je vous amènerai pas ici. Hein. Donc, pour le one-up et pour accéder au niveau bonus. Parce que oui, je vous ai pas encore expliqué. Hein. Faut quand même arriver à la quatrième vidéo ou la troisième, je sais plus. Pour voir, ben... En fait, ben, one-up, ben, comme vous le savez, c'est une vie supplémentaire. Les bleus, là, que vous voyez, c'est pour accéder au stage bonus que vous avez vu entre chaque niveau. Et les autres insectes vous redonnent de la vie, sauf les noirs qui vous tuent. Et donc là, eh ben... Ça s'annonce bien, mieux que ce que je pensais.
Parce que je vous garantis que j'ai galéré comme un porc tout à l'heure. Alors, ici, on évite, et on attend. Allez, Mitty, il y a quelqu'un qui se ramène, on le balance là. Voilà. On récupère la vie, c'est gratuit. Ici, vous attendez patiemment. Voilà. Ne pas être pressé. Ici, on speed! Oui, oui! Oui. Oh, bah dis donc, je m'en sors. Oh, qu'est-ce qu'il m'arrive là? J'arrive plus à sauter. Eh oh, accroche-toi! Oh oui. Là ça va être chaud. Là aussi. Oh non. Oh non. Oh la dèche. Bon. Pour l'instant c'est pas encore un motif de couper la vidéo. Pas encore. Ça le sera peut-être. Bon. Ici, n'oubliez pas la vie, hein, elle revient à chaque fois, donc profitez-en, hein, moi je dis. Hein. Au moins, ça vous permet de continuer de faire illimité. Oh. Voilà. Dis donc. Ah, vous voulez voir un jeu où je galère? Ben voilà, hein, un jeu où je galère vraiment à fond. Donc ici, ben, en fait, il n'y avait rien d'autre de particulier à faire à part se baisser et là utiliser la technique de bâtard qui est je saute et je tape. Non, 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 non. Allez. Voilà. Donc ici, attention. On a l'impression de se retrouver un peu à la fin du niveau de Mega Man 2 et là le pseudo boss bien chiant, bien merdique. Parce qu'en fait, il faut vous mettre là et attendre. Et de temps en temps, ça va sortir. Oui, non, c'est la merde. Hein. Franchement, je vous dis. Voilà, c'est ce niveau là, je sais pas si je vais y arriver. Parce que c'est vraiment, vraiment chiant, quoi. C'est... Vous avez pas idée, quoi. C'est... Les pierres sont très difficiles à éviter. Regardez, c'est... Impossible à prédire quand est-ce que ça va venir. Et où ça va tomber, surtout. Donc là, tout ce qu'il faut faire, c'est attendre. Ici. Normalement ça va venir là. Là. On se remet ici, on attend. Là normalement il faut se mettre là. Ah, il faut se mettre là maintenant. Enfin. Oh non! Non! Non, c'est rageant! Non, c'est deg! Oh non! Oh non! Oh punaise, juste sur la fin quoi. Bon, alors maintenant j'ai une technique à peu près convenable. On attend ici. Voilà, maintenant on va se mettre là. On se remet là. Oui, non, monsieur. Je vous dis, là, c'est vraiment chiant. Et punaise, mais quand même, c'est galère à savoir, quoi. Franchement, je vous dis, moi, j'ai galéré pendant 20 minutes à savoir ce qu'il fallait faire ici. Hein. C'est... Voilà.
bon. Et voilà, fin du niveau. Ah. Et donc, bah, c'est sur ces deux niveaux hein, que je vais vous laisser. Oui, là, je ne pourrais pas en faire plus dans l'immédiat, parce que ce niveau était chiant. Et donc, bah, je vous dis à la prochaine fois pour la suite et fin de ce Wokfu sur le Roi Lion Mega Drive. Et d'ici là, que la force soit avec vous.